J'aurais dû me douter que vous seriez là, professeur McGonagall. Bonsoir, professeur Dumbledore. C'est vrai ce qu'on raconte, Albus? J'en ai bien peur, professeur. Le bon comme le mauvais. Et l'enfant? Hagrid doit l'amener. Vous croyez qu'il est sage de confier une mission aussi importante à Hagrid? Oh, professeur, je n'hésiterai pas à lui confier ma propre vie. Professeur Dumbledore, professeur McGonagall. Pas de problème, j'espère, Hagrid? Non, monsieur. Le petit bonhomme s'est endormi quand on a survolé Bristol. Il faut pas le réveiller. Tenez. Albus, vous croyez vraiment qu'il est prudent de le confier à des gens pareils? Je les ai observés toute la journée. Ce sont les pires moldus qu'on puisse imaginer. Je vous assure. C'est la seule famille qui lui reste. Il va devenir célèbre. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. En effet, il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Allons, allons, Hagrid. Après tout, ce n'est qu'un au revoir. Bonne chance, Harry Potter. Prépare-nous le petit déjeuner, tâche de ne rien laisser brûler, surtout. Oui, tante Pétunia. Je tiens à ce que tout soit absolument parfait pour l'anniversaire de mon Dudley Nouchet. Dépêche-toi. Apporte-moi mon café. Oui, oncle Vernon. Oh, ils sont merveilleux, hein.